Bienvenue dans l'édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodja Ndiaye, c'est parti. Designer afro à découvrir de toute urgence. Pitchoulik, Amidosh, Sarsoko et Van Leles. Pitchoulik est une marque de bijoux éthique basée à Cape Town en Afrique du Sud, fondée par Catherine Marie Pitchouk en 2012. Pitchoulik utilise principalement des cordes en propylène recyclées combinées à des pierres emblématiques provenant de tout le continent africain. Soko, basée à San Francisco, en Californie et au Kenya, la collection de bijoux de la marque comprend une gamme étonnante de classiques minimaux et de pièces de luxe. Amidoshi Sar réalise ses pièces à la main en incorporant des matériaux recyclés comme la corde, le bois, les métaux et un mélange de matériaux comme les perles, la tourmaline noire, la malachite, le gros grain et le cuir dans ses créations. Fabriqué au Kenya, les colliers d'Ami se distinguent des autres. La fondatrice et directrice de la création de Van Lele, Vanya Lele, a fondé sa marque de bijoux éthique en 2011. Née et élevée en Guinée-Bissau et éduquée à Lisbonne et à Londres, sa marque est basée à Londres. Cependant, son ADN est tiré de l'héritage africain fondamental, enraciné de Vanyan à 75% de pierres précieuses et de métaux d'origine éthique extraits en Afrique. On craque tout pour les robes maxi moulantes. Une pièce très adulée par les fashionistas, elles n'envahissent pas que nos dressings mais également nos fils d'actualité. La raison, c'est grâce à cet incroyable pouvoir que la robe maxi moulante a sur nos silhouettes. Ces longues robes maxi se déclinent dans un mélange d'unis, d'imprimés et de matières diverses. Les plus populaires sont celles qui dévoilent votre dos, laissant apparaître vos courbes flatteuses. Elles sont aussi particulièrement polyvalentes, comme en témoigne la façon dont elles peuvent facilement vous embarquer dans un look très habillé ou très intimiste. Kelly Ndike, cette semaine. Kelly Ndike, entrepreneur beauté et informaticienne mode, est notre égérie cette semaine. Les fashionistas camerounaises ont une apparence simple et super chic, avec des couleurs vives et sur sa page Instagram. Kelly maîtrisait l'art de tuer tout en le réduisant au minimum. Des couleurs audacieuses, des accessoires simples, des imprimés, des cheveux naturels époustouflants et des sourires charmants. Que dire ? Nous sommes fascinés pour le look stylé de la semaine. Nous avons sélectionné pour vous quelques-uns des meilleurs looks de son Insta, soigneusement organisés. Continuez à faire défiler pour voir les nouvelles choses pour cette semaine. Lundi, la semaine en soi et alliance parfaite pour du formel et du décontracté qui doit guérir l'atmosphère mélancolique du lundi. Mardi, mettez des vêtements puissants pour vous aider à vous débarrasser de la paresse après le week-end. Portez un costume à carreaux avec des talons hauts noirs pour créer l'atmosphère d'une patronne.
Mercredi, le Hump Day est enfin là. Nous avons besoin d'une tenue amusante et formelle. Mercredi, cette combinaison de vestes, de costumes, de pantalons peut résoudre le problème. Jeudi, changez les choses avec un ensemble floral associé aux accessoires parfaits qui attireront tout le monde. Vendredi, tes gifs et la meilleure sensation qui soit encore meilleure lorsque vous sortez dans un look d'un chic. Samedi, une coupe en cuir est idéale pour les soirs cinéma entre amis. Dimanche, une robe à enfiler élégante et parfaite pour le brunch du dimanche. Astuce beauté. Des idées de coiffure pour la rentrée. Le mois de septembre fait généralement penser à la rentrée pour la plupart d'entre nous. Après les folles vacances entre bikini, repos, cocktail, nos cheveux ont bien senti passer ce vent de liberté qu'apportent les vacances. Aussi, après avoir bien soufflé, il est temps de les discipliner et de leur apporter un peu de fraîcheur. Peu importe notre charge de travail ou nos occupations, nous devons être conscientes que la coupe de cheveux est aussi importante que le make-up et l'outfit, souvent négligé par un manque de temps ou d'inspiration. Votre coiffure est un must-do de la mise en beauté et mérite également de l'attention. Rien de plus embêtant que de se retrouver devant la glace le matin sans savoir quoi faire de ses cheveux et voir leur filer à toute vitesse. Pour remédier à cette fâcheuse situation et emboîter le pas au stress et au retard, la rédaction vous a fait une liste de 10 idées de coiffure parfaite pour la rentrée. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis de Daniel. À la prochaine. Et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye!